On aura besoin de deux pinces crocodiles, deux dipôles, une pile et plusieurs fils. On fait une première boucle. On la branche. Puis, on branche, on fait une deuxième boucle. C'est un circuit en dérivation. Les piles brillent en même temps. Caractéristiques d'un circuit en dérivation. Les dipôles sont indépendants. Un circuit en dérivation comporte plusieurs boucles. Les ampoules sont indépendantes. Le courant circule dans tout le circuit en même temps.